qui est passé sur les intérieurs. Thomas Pétoy. Thomas Pétoy, le pilote de Bourne, ça revient déjà très en derrière, mais par la chance, Thomas Pétoy, c'est pas l'avantage, Maxime Dor, c'est à la deuxième position. Maxime Dor, pour le club, le but de Sardine, pour l'instant, en deuxième position, mais c'est plus interdit, c'est le commandement, avec Thomas Pétoy, et la troisième place, on ira chercher Siméon Bayard, le pilote biscuit, et Wendy Tempelte pour le TEU, enfin, il reviendra peut-être prendre la quatrième place, mais c'est ce fait, attention, pour la ligne d'arrivée, et là, finalement, c'est bien Bourne qui s'impose avec Thomas Pétoy. Voilà, avec un candidat malheureux, là, le pilote strasbourgeois, Hugo Lollier. Applaudissements, s'il vous plaît, lui aussi terminera ce tour de piste. Il a besoin de vos encouragements, il y a forcément de la déception. Allez, faites davantage de bruit à Oni, s'il vous plaît, Hugo Lollier.